LB. Alors aujourd'hui, sa conférence sera sur le new normal, de la survie à la prospérité, et ça, on en rêve tous. Donc nous sommes tous prêts à écouter Joseph, et organisé et co-présenté également par Laurence. Alors je vais vous ouvrir tous les deux leur micro, et le floor est yours. Et encore merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Nous sommes pratiquement 20 participants à cette heure-ci. Voilà, alors j'ouvre les micros de Laurence et de Joseph. Parfait. Merci beaucoup, Didier. Joseph, tu sais muter un moment. J'introduis. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup Didier pour cette introduction. Donc comme tu l'as dit, donc Joseph a créé il y a une vingtaine d'années Sadisenco, donc société spécialisée dans l'accompagnement aux entreprises et dans l'intérim management. Et il y a 18 mois, on a créé au Luxembourg Exim, qui est la première société entièrement dédiée à l'exécutif intérim management au Luxembourg. Et depuis le début de la crise sanitaire, Joseph et moi avons beaucoup réfléchi aux compétences qui étaient nécessaires à la fois pour la gestion de la crise et pour la gestion de l'après-crise. Gestion de l'après-crise qui nécessite souvent de repenser son business model, de se réinventer. Et nous avons publié une série d'articles à ce sujet-là qui sont disponibles sur notre site exim.lu dans le blog. Ça nous paraissait d'autant plus important de le faire que l'intérim management est souvent une solution flexible pour s'adjoindre les compétences nécessaires, d'une part pour mener à bien ces réflexions de scénario planning, pour porter un œil neuf sur les organisations, pour think out of the box, et d'autre part pour mener à bien les projets de transformation et de change management. Et maintenant, je vais moi me muter et passer la parole à Joseph. Merci. Merci Didier, merci Laurent. Je ne sais pas si vous m'entendez tous à peu près correctement. D'abord, merci de m'accueillir. Je ne sais pas si c'est moi qui vous accueille dans mon bureau ou si c'est vous qui m'accueillez dans votre jardin. Mais ça aussi, ces changements-là, c'est ce satané virus COVID-19 qui nous les impose. Et donc, on vit quelque chose de tout à fait particulier. D'abord, une crise. Et donc, c'est pour ça qu'on a intitulé cette petite présentation de la survie, parce qu'il faut sortir de la crise, il faut arriver à survivre. Mais aussi, on se plaît à dire qu'il y a un monde pré-COVID, il y a le COVID, et puis il y a un monde post-COVID que d'aucuns appellent « the new normal ». Et donc, il va falloir se mettre dans ce monde-là et réussir dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on a décidé d'intituler ce petit exposé de la survie à la prospérité, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et on va prendre la perspective du leadership, c'est-à-dire qu'est-ce que les dirigeants des organisations, que ces organisations soient dans le privé, le public ou le non-marchand, les enjeux et les défis vont être absolument les mêmes. Qu'est-ce que les dirigeants doivent faire pour effectivement passer de la survie à la prospérité? Alors, cet exposé, on va le structurer en trois parties. D'abord, est-ce que c'était prévisible? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'impréparation, notamment des gouvernements, mais aussi des dirigeants d'entreprise. Est-ce que cette crise était imprévisible? Et quels sont les caractères tout à fait spécifique et particulier de cette crise dont il va falloir tenir compte pour se préparer à la suite. Alors, comme le disait Laurence, nous, on a travaillé sur une méthodologie parce qu'effectivement, quand une crise de ce type apparaît, soit on met sa tête dans le sable, soit on est comme un animal qui est pris dans les phares d'une voiture et on ne bouge plus. Mais donc, il faut avoir une approche tout à fait méthodique pour gérer la crise, pour en sortir et pour préparer la suite. C'est ce phasage qu'on va essayer de vous expliquer et quelle est la focalisation que chacun de nous doit avoir, quels sont les éléments sur lesquels il faut se focaliser. Et donc, c'est à la fois la liste des to-do et la liste des not-to-do qu'on va vous lister.
Et ensuite, on terminera, ce sera la troisième partie, par quels sont les défis de leadership, c'est quelles sont les qualités que les dirigeants dans ces circonstances-là doivent avoir. Et vous allez voir qu'on demande aux dirigeants d'être quelque part des surhommes dans cette période et dans la période qui va nous amener au new normal. Voilà. Alors, est-ce que cette crise était prévisible? C'est tous les reproches sur l'impréparation, les hésitations, le manque de coordination, etc. Alors, on a tiré, c'est amusant parce qu'il y a à peu près 6 mois, on donnait une autre conférence au Luxembourg, on a juste tiré deux, trois slides de ça. Laurence, tu peux lister les crises. On a listé toute une série de crises potentielles. On avait exposé le problème de la déglobalisation, mais les crises sociales qui se présentent, qui vont se présenter, les crises environnementales, crises énergétiques, les mutations démographiques, les dettes souveraines. Et vous noterez que moi, je n'ai pas été plus malin que les autres, je n'ai pas mis de crise sanitaire. Voilà. Pourtant, on avait vu le SARS, on a vu Ebola, etc. Et ce qu'on disait à ce moment-là, c'est qu'il était nécessaire, on peut passer la suivante, en tout cas, on voyait qu'il y avait des changements drastiques qui s'accéléraient, donc la vitesse de changement n'est plus la même et elle est de plus en plus grande, avec ce qu'on appelle des disruptions, avec des phénomènes non linéaires, des discontinuités, qui impose en fait une gestion non incrémentale de l'adaptation. Donc ce qu'on a toujours tendance à dire, c'est ben, on est au point A, ben, pas de problème, on va aller au point B, puis on va aller au point C. Non, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'on ne va pas pouvoir passer par tous ces stades-là. C'est aller de A à N et de N à Z. Donc c'est avoir des mutations maintenant à cause de cette accélération qui sont permanentes, qui sont rapides et qui sont à la fois sur le plan structurel, on a beaucoup parlé d'agilité ces derniers temps, sur les modes de management et sur les styles de leadership. Ça, c'était les conclusions qu'on avait il y a 6 mois, donc on pourrait se dire, mais au fond, on savait que ça allait vite, mais quand même, cette crise nous a surpris par beaucoup d'éléments. D'abord, la rapidité. Je vais prendre des chiffres sur la Belgique. Le premier cas, il est le 1er mars. Et fin mars, on est à 5000 cas. Et fin avril, on est à 40 000 cas. Okay. Le chômage était à... Il y avait 360 000 chômeurs indemnisés début mars. À la fin mars, il y en avait 600 000 de plus. Maintenant, on est à plus d'1 million de chômeurs. Fois 3. Les chiffres américains donnent le tournis. Le nombre de claims for unemployment, c'est basé par semaine, c'est des statistiques hebdomadaires, et tournait entre 150 et 200 000 jusqu'au début mars. À la troisième semaine de mars, il y en avait 3 millions, et à la quatrième semaine de mars, il y en avait 7 millions. Donc, voilà, en 2 semaines. Donc, on voit que la rapidité est extraordinaire, beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais connu. Deuxièmement, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas vraiment l'impact de ce virus. C'est donc l'information, parce que les journalistes, et c'est leur rôle, ils courent derrière l'information. On a une espèce de dictature de l'immédiateté. Donc, on a une information incomplète, imparfaite, parfois fausse. Et donc, on doit faire son chemin dans tout ça. Exemple, c'est tout le débat qu'il y a sur le retour des enfants à l'école. Donc, les virologues sont en train de nous dire, sur l'information, les virologues sont en train de nous dire, oui, attention, il n'y a pas de charge virale chez les enfants. D'autres virologues sont en train de dire, non, non, il y a une charge virale, mais ils sont asymptomatiques. Et donc, il faut les mettre à l'école, il ne faut pas les mettre à l'école. Et les pédopsychiatres nous disent, non, il faut mettre les enfants à l'école parce que d'un point de vue de la socialisation, etc. Donc, tout le monde a raison, mais quelle est la décision à prendre? Idem, santé versus économie, ce sont ces débats-là qu'on a. Et donc, il faut prendre des décisions dans des situations où on ne connaît pas la suite.
Et le troisième élément, donc rapidité, information incomplète, niveau d'incertitude important, l'amplitude de l'impact est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça en 2008 parce que c'était essentiellement la crise bancaire, donc le secteur financier a souffert avec les conséquences économiques et sociales. Or, le 9-11, c'était essentiellement le secteur de l'aviation qui a souffert et du transport. Ici, c'est tous les secteurs, d'une façon ou d'une autre, et dans chaque secteur avec une amplitude qui a été jamais vue. Donc, le niveau d'incertitude est absolument énorme et on ne peut pas se dire si les conséquences vont être durables. Alors, on va lister un certain nombre de changements. Le premier, c'est le rapport à la technologie. Alors, à la fois, on voit qu'il y a des gamins qui sont maintenant à l'école sur leur tablette. Les grands-parents qui étaient rétifs à la technologie se sont presque tous mis à FaceTime et à Skype et à Zoom. Et nous-mêmes, ce qu'on fait là aujourd'hui, on ne pouvait pas l'imaginer il y a 6 mois. Donc, le rapport à la technologie a considérablement changé dans toutes les strates sociales, tous les catégories d'âge, etc. Et donc, on peut imaginer que tout ce qui est relatif à la digitalisation, à l'augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est télé quelque chose, télétravail, télémédecine, etc., tout ça va probablement continuer à changer et en tout cas, il va en rester quelque chose. Idem sur les habitudes de consommation. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup acheté en ligne et plein de gens ont acheté en ligne. Et donc, cette augmentation de l'ordre de 30 à 40% des achats online qui va s'inscrire sur une tendance qui était déjà là. Il n'y a qu'à voir les résultats et les chiffres qui se passent à l'aéroport de Liège. Donc, on voit que tout ce qui est online va continuer à augmenter. Il a pris un coup d'accélération. L'éducation, c'est fantastique ce qu'on a fait au niveau universitaire. On a pivoté des dizaines de milliers d'étudiants sur l'online avec des centaines de cours qui sont passés en online avec des profs qui ont dû s'adapter, des étudiants qui ont dû s'adapter. Alors, on parlait beaucoup du New World of Work. J'ai vu que Misak est dans les participants. Bon, tout ça change aussi. L'idée d'avoir des grands espaces avec des gens qui venaient quand ils le souhaitaient prendre leur cube, s'installer n'importe où. Tout ça, c'est bien, mais avec effectivement les conditions sanitaires, ça posait problème. Donc, on va être dans un new world. Ensuite, on va commencer à penser avec une certaine nostalgie au temps béni où on pouvait prendre l'avion pour un oui ou pour un non. On avait un problème avec un fournisseur en Chine, on prenait l'avion, on allait régler le problème ou au Bangladesh ou en Amérique du Sud. Distance is back, ça devient difficile d'aller là-bas. On peut juste plus prendre l'avion. Et ensuite, voilà, la distanciation sociale fait qu'on devient une société sans contact, et ce n'est pas seulement technologique, ça affecte nos relations sociales, nos relations au travail. Donc, on a une série de changements, y compris, parce que ça a été quand même quelque chose d'important dans cette période-là, nos relations à la médecine, le fait de ne plus pouvoir aller chez son généraliste, qui prenait d'abord la communication téléphonique, jugeait au téléphone ou en visioconférence de ce que vous aviez, c'est des choses qui vont probablement rester avec une utilisation probablement plus importante de l'intelligence artificielle. Et en tout cas, au niveau politique, parler maintenant d'économie sur les soins de la santé, je ne pense pas que ce soit encore un discours audible. Donc, voilà, il y a des modifications, beaucoup de modifications, et on peut se demander si elles vont être durables. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y aura un monde post-Covid, et il y a un facteur d'espoir qui est fantastique. Moi, je suis admiratif de la façon dont les gens se sont adaptés.
ils ont parlé, pas de trop en tout cas, ils se sont adaptés à toutes les conditions, ils ont montré une flexibilité incroyable. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des thèmes d'espoir. Je pense que tout n'est pas mauvais dans ce qui est occupé à se passer. Je pense qu'on ne refera pas le chemin en marche arrière parce qu'on va garder ce qu'il y a de bon. Et c'est la raison pour laquelle on a intitulé cette présentation « De la survie à la prospérité ». Mais pour le faire, il faut qu'on soit méthodique. Parce qu'effectivement, le risque pour le décideur, c'est un, on prend d'abord les solutions du passé, pas nécessairement elles sont correctes, ou pas nécessairement elles sont adéquates ou appropriées, pas nécessairement elles sont mauvaises, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut prendre des décisions. Et donc, le moyen d'avoir cette approche méthodique, c'est de bien phaser les choses. Il y a une première phase qui est une phase de crise, il y a une deuxième phase qui est une phase de sortie de crise, une troisième phase qui est une phase de réinvention, une quatrième phase qui est une phase d'implémentation. Et à chaque phase, on ne doit pas se concentrer sur les mêmes choses. Donc, voyons la phase 1, qui est les réactions immédiates à la crise. Ça, c'est la phase dont on commence à sortir pour maintenant. Et donc, le premier objectif dans cette phase-là, c'est une crise sanitaire. Il faut s'occuper des gens et de la santé des gens. Et on voit bien que la façon dont les organisations vont s'occuper de la santé des gens, c'est quelque chose que les gens vont retenir pour la remise au travail. S'ils ont confiance dans ce que vous avez fait, ils vont se remettre facilement au travail et ils vont aller chercher l'énergie extraordinaire dont ils auront besoin pour s'adapter. Donc, la santé, la stabilité financière des travailleurs. Parce que, voilà, quand on décide de mettre X personnes dans un chômage économique ou technique, ce n'est pas sans conséquence. Est-ce qu'on compense une partie de ce qui a été fait? Et le troisième élément, c'est l'organisation du travail. Quand on met X personnes en télétravail, comment est-ce qu'on organise le suivi? Comment est-ce qu'on organise le contrôle? Comment est-ce qu'on organise simplement la technologie? Le deuxième point sur lequel il faut avoir vraiment l'œil absolument rivé, c'est, on a tous appris ça à l'école, cash is king. Et donc, pour les petites entreprises en particulier, c'est évidemment très, très important de surveiller ça, parce que si on arrive dans une situation où on est illiquide, ben voilà, ça c'est la fin, on n'a pas de survie. D'accord? Donc, très important. Ensuite, le troisième élément, c'est de maintenir un lien avec les clients. Soit parce qu'on peut continuer l'activité d'une manière adaptée, ça c'est la grande distribution, les pharmacies, etc. Tous ceux qui ont continué le transport, bon, comment est-ce qu'on adapte les services et les produits à cette situation particulière, sachant que la phase numéro un, c'était de s'occuper de la santé des travailleurs. Mais si on n'est pas dans mesure de pouvoir continuer une activité, alors il faut prendre cette période pour communiquer de manière vraiment intensive, pour renforcer les liens, et lorsque les choses vont reprendre, qu'on soit effectivement top of mind par rapport à la clientèle et que la demande reprenne. Pour les entreprises qui sont de nature un peu plus industrielle, il faut effectivement évaluer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, et on sait bien combien c'est critique, puisqu'on l'a vu, les masques, les gels hydroalcooliques, les médicaments, etc. Donc cet élément de fiabilité qu'on va devoir analyser est quelque chose de très important pour les phases suivantes, parce que tout ce qui aura montré une faiblesse, on ne peut évidemment pas ne pas en tenir compte dans le redémarrage. Et le dernier point, c'est que pour toutes les activités dans lesquelles il y a des infrastructures, en prenant simplement les compagnies aériennes, on voit tous les avions qui sont au sol, il n'est évidemment pas question de ne pas les maintenir. Donc il faut continuer à avoir une maintenance. Si on a fermé des hôtels, on ne peut pas imaginer qu'au moment où on va les réouvrir, on ouvre les robinets, ça ne marche pas.
Donc, il y a un maintien des infrastructures et on voit bien que cet élément-là, si on a eu un arrêt des activités, il va être lié aux liquidités. Donc, c'est important de regarder à la fois, on a dit, les problèmes de santé, la liquidité, l'aspect commercial, l'aspect de la chaîne d'approvisionnement et le maintien des infrastructures. Ça, c'est la crise. La deuxième phase, c'est celle dans laquelle on se trouve maintenant, c'est la sortie de crise. Donc, imaginer la sortie de crise, c'est, voilà, l'idéal, c'est une remontée, une remise à niveau de la capacité. Sauf que ça ne se fait pas du tout comme ça. Il faut qu'on imagine d'abord un scénario. Alors, les scénarios, ils ont circulé. Le scénario que la bourse prend, c'est-à-dire c'est un scénario en V. Moi, je crois personnellement plus à un scénario en U dans lequel la deuxième partie du U est un peu aplatie et probablement qu'on va avoir quelques rebonds épidémiques dont on espère qu'on va arriver à les maintenir de manière relativement contenue. Mais donc là, il faut faire des plans, il faut faire des scénarios, et il faut faire des scénarios aussi du pire. Si on se dit, si c'est un scénario en W, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un scénario en L, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, ça ne redécolle pas, la demande n'est pas là. Okay? Donc, ce qu'on doit regarder, c'est tous les éléments de l'écosystème. D'abord, la première chose, c'est évidemment, est-ce que la demande est là? Ce n'est pas la peine de se remettre à pleine capacité si la demande n'est pas là. Ensuite, on a vu dans la première partie quelle est la fiabilité des fournisseurs. Est-ce qu'eux peuvent redécoller au niveau de la demande qu'on est occupé à planifier? Comment se fait la remise au travail? Et on voit bien que les conditions sanitaires restent un élément important. On a dans notre Belgique, on a trois sociétés de transport régionaux. Le TEC et Delaine se sont remis au travail quand le gouvernement l'a autorisé, quand le gouvernement fédéral l'a autorisé, à la STIB, parce que les conditions sanitaires du début n'ont pas créé le niveau de confiance, ils n'ont pas repris le travail. Donc on voit bien que la remise au travail, les aspects légaux, les conditions sanitaires, qu'est-ce que la concurrence fait? Ils se sont aussi concertés entre les trois sociétés de transport. Est-ce qu'on adopte des best practices? Et bien entendu, toujours l'œil sur la liquidité. Et donc, là, c'est très, très important, si vous voulez, de bien monitorer ce qu'on est occupé à faire. Ça veut dire qu'il faut avoir des indicateurs. Alors, la troisième phase, c'est, on insiste sur le fait qu'elle doit se mettre à peu près en route à peu près maintenant ou dans les semaines qui viennent, parce que la tentation pour les dirigeants, c'est de se focaliser sur ce sur quoi ils sont le plus à l'aise, c'est-à-dire les opérations. Et donc, la tentation, c'est de remettre le nez dans le guidon et de ne pas voir qu'il y a des changements durables. Et donc, comment se repositionner en tant qu'organisation dans le New Normal? Mais là, il faut faire beaucoup de scénarios et essayer de voir dans les scénarios du pire un petit peu comme on est dans un war game, qu'est-ce qui peut se passer. Et il y a trois mots qui sont importants. D'abord, la raison d'être. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, le mot value proposition devient vraiment le mot clé. C'est ce qu'on va proposer dans le nouveau monde post-Covid. Donc, il faut réévaluer son portefeuille de produits et de services. La deuxième chose qui est importante, cette fois-ci, on va mettre les processus opérationnels plutôt en avant, c'est le mot de résilience. Alors, il y a plein de définitions tout à fait savantes. Et moi, dans mes mots simples, je vais dire que la résilience, c'est la capacité à prendre des coups sur la tête et à se relever. Et donc, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir éviter les coups et pouvoir se relever vite. Et ça, souvent,
Ça veut dire modularité, ça veut dire duplication, ça veut dire système de secours. Et donc, ça veut dire qu'on ne va plus être dans l'optimisation. Il y a un nouveau paradigme qui dit qu'on ne va plus nécessairement maximiser la profitabilité, mais on va devoir faire un compromis entre la résilience d'une part et la profitabilité d'autre part, parce que des crises, on va en avoir encore. On a vu que c'était plutôt prévisible, imprévisible à l'échelle où on l'a eu, mais plutôt prévisible. Et donc, après ça, bien sûr, quand on aura dit raison d'être, résilience, on peut dire dans les processus commerciaux, il faut optimiser l'expérience client en se disant, je ne vais peut-être pas garder tous les clients. Peut-être qu'il y a des targets que je vais maintenant laisser tomber avec en organisant ma distribution, ma logistique, de manière à là aussi que moi, comme fournisseur, je sois résilient et fier. Alors, voilà, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est Winston Churchill. À toute crise, il y a quelque chose de bon. Et donc, il ne faut pas perdre cette opportunité de remettre tout sur la table et de redéfinir et sa façon d'être, et sa raison d'être, et la façon dont on le fait. Voilà. Alors, la phase 4, vous savez tous que, bien sûr, le plan le meilleur ne vaut que par sa mise en œuvre et qu'on puisse mesurer à la fin ce qu'on a fait. Ça, c'est tout l'objet du change management et du project management, mais ce serait l'objet d'une autre conférence qu'on peut vous donner à l'occasion. Et donc, on ne va pas passer sur cette partie-là. Alors, en résumé, les quatre phases, c'est cœur de crise. Donc là, il faut survivre, il faut sortir. Deux, c'est le retour à capacité. Alors, dans ce scénario de U, on se dit c'est entre maintenant et la fin de l'année. Et puis, quelque part dans le dernier trimestre de l'année, il faut se remettre à penser à qu'est-ce qu'on fait après, pour autant qu'on n'ait pas une nouvelle phase de crise aiguë qui nous replongerait dans la survie. Et puis, quelque part en 2021, dans ce scénario de U, qui présuppose un redécollage de l'économie quelque part en 2021. C'est à peu près à ce moment-là qu'il faut se mettre en route pour mettre en œuvre ce qu'on aura décidé de réinventer. Voilà. Alors, pour mener ce programme à bien, on demande vraiment beaucoup, beaucoup aux dirigeants d'entreprise. En effet, si... on regarde ce que je viens de vous dire, c'est qu'on demande aux dirigeants d'entreprise d'abord d'être des très bons opérationnels, des gens de détail qui regardent bien tous les éléments de l'opération. Ça, c'est les phases 1 et 2. Mais dans le même temps, on leur demande d'être aussi tout à fait créatifs, d'avoir une vision, d'avoir, Laurence peut mettre, d'avoir une perspective stratégique. Et ça, ça veut dire, grosso modo, qu'on demande aux gens, je ne sais pas parmi les 20 participants ici, combien de gens sont ambidextres, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'écrire à la fois avec la main droite et avec la main gauche, mais on leur demande aux leaders aujourd'hui d'être ambidextres, d'être à la fois visionnaires et en plus de donner du sens, parce que n'oublions pas qu'ils vont devoir implémenter tout ça avec des gens de la génération Z qui veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, il va falloir aussi s'inscrire dans une série de nouveaux challenges, notamment environnementaux, sociaux, etc. Et le tout dans une crise humanitaire, dans une crise sanitaire qui demande de l'humanité, la compassion, Donc, on demande aux gens d'être ambidextres, de réfléchir avec la tête et de s'exprimer avec le cœur. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc, j'ai essayé de séparer, si vous voulez, les qualités qui sont un peu plus hard, tout est dans le soft, hein, mais sont un peu plus hard, et puis j'ai séparé un groupe de qualités qui sont plutôt de la façon d'être.
Donc, premier groupe de qualité, la façon d'agir. Alors, première chose, c'est qu'on ne peut pas se paralyser comme dirigeant. Il faut prendre des risques. On sait qu'on est dans une information incomplète, on sait qu'on est dans un environnement incertain, mais en même temps, on ne peut pas rester en permanence dans la phase réaction. On doit passer à un moment donné dans le proactif. Donc, la prise de risque est quelque chose de fondamental. La deuxième chose, c'est qu'on va vers de l'inconnu avec de l'incertitude. Il faut être créatif. Donc, on ne peut pas se contenter des solutions du passé, on ne peut pas se contenter de solutions conventionnelles. Et même quand on a pris une décision pour partir dans une direction, il faut continuer à rester dans une recherche continue de la meilleure solution en se disant, je prends une solution à court terme, mais qui peut avoir des implications importantes sur le long terme. Vous imaginez la difficulté qu'ont dû affronter les directeurs d'hôpitaux qui les premiers ont dit on arrête les consultations et on arrête toutes les interventions techniques qui ne sont pas urgentes, sachant qu'ils plongent leur hôpital dans un déficit abyssal. Et pourtant, c'était la bonne décision. Mais donc, quelle difficulté pour le premier des patrons d'hôpitaux qui a pris cette décision-là. OK? Voilà. Alors, pour arriver à prendre des décisions et être créatif, on voit que c'est quand même une tâche difficile. Il ne faut pas hésiter. Il faut faire appel à l'intelligence collective, à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous les gens sont conscients de l'urgence. Donc, le Burning Platform, qui est le point de départ de n'importe quel processus de changement, il existe. Mais donc, il faut rassembler les équipes. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des conseillers extérieurs. Nous, on offre, les trois secondes de pub, mais donc on offre trois types de services. On offre un accompagnement des dirigeants, donc on est à une espèce de sounding board sur les décisions à prendre, ou les dirigeants individuellement, ou les comités de direction. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut s'étaler dans le temps. On offre de l'expertise, parce qu'on a des bases de données à peu près dans tous les domaines, donc on peut avoir à un moment donné besoin d'un avis d'expert. Et on peut tout simplement, on a décidé, on a fait le design de ce qu'il faut faire, mais on n'a juste pas les forces pour le faire. Et donc là, on a les solutions d'intérim. Et donc, il ne faut pas se priver de faire appel à l'aide extérieure. Pour les entreprises qui ont déjà une gouvernance bien structurée avec des administrateurs indépendants, faites appel à l'opinion de ces administrateurs indépendants, puisqu'ils ont une autre perspective que celle de l'interne. Et surtout, n'oubliez pas de faire participer le middle management, parce que qui connaît les outils? Les middle managers. Qui connaît le mieux les clients? Les middle managers. Donc, faire appel à l'intelligence collective. Et alors, le dernier élément, c'est que je vous ai parlé beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment la caractéristique de la situation à laquelle on se trouve. On va prendre, il faut prendre des décisions. Donc, on prend des décisions et on peut se tromper, on peut se gourer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs quantitatifs qui montrent où on se trouve et de dire, ben, voilà, on s'est trompé. Stop, marche arrière. Et ça s'appelle, on en a beaucoup parlé, mais maintenant, il faut le mettre en application, ça s'appelle l'agilité. Donc, il faut prendre des décisions, il faut être créatif, il faut le faire en équipe et il faut être agile pour éventuellement reculer. C'est comme les gens qui font du bateau et qui remontent au vent, ils nous voient, ils vont une fois à bâbord, une fois à tribord. Alors, la façon d'être, parce qu'il faut aussi avoir un certain nombre d'attitudes. D'abord, la culture du patron héros, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de héros. Il faut beaucoup d'humilité face à la crise
et à la situation dans laquelle on se trouve. Les patrons peuvent dire aujourd'hui, au niveau de l'humilité, je pense que je suis plus intelligent que la moyenne. Ils peuvent dire ça. C'est le cas général. Ils peuvent dire, je pense que je travaille plus que la moyenne. Ils peuvent le dire. Mais ceux qui vont aussi dire, s'ils sont honnêtes, c'est je ne sais pas. Et je peux me tromper. Et c'est pour ça que j'ai besoin de tout. La deuxième qualité, après l'humilité, c'est la transparence. Le CEO, moi je dis aujourd'hui, c'est le Chief Explaining Officer. Parce qu'il doit s'adresser à ses troupes en termes simples, donc il doit décomplexifier pour lui-même et pour les autres la situation, sans que ça ne soit simpliste, on dit, ouais, ça, évidemment. Deuxième chose, il doit dire ce qu'il sait, et il ne doit surtout pas dire ce qu'il ne sait pas. Il ne doit pas faire du guessing. Voilà, je sais ça et je ne sais pas sur l'autre partie. Mais en même temps, c'est très important qu'il y ait des perspectives, parce qu'on ne peut pas mobiliser des équipes s'il n'y a pas de perspective. Donc il faut en donner, il faut donner des termes d'espoir. Mais encore une fois, dire la vérité et ne pas faire du sugarcoating. Donc, il ne faut pas dire c'est Alice au pays des merveilles, ça va être dur, on va avoir ceci et ça comme conséquence, des gens vont perdre leur emploi, on ne va pas pouvoir faire le projet qu'on avait prévu, on doit abandonner tel type d'activité, mais par contre, on va faire ça et on va réussir. Voilà. Et donc, face à tout ça, il faut aussi une attitude d'empathie et de compassion et d'humanité parce qu'on est dans une crise sanitaire. Donc, il faut se dire que des collaborateurs ont peut-être souffert hein, physiquement parce qu'ils ont été malades ou des gens de leur famille ont été malades ou ils ont perdu un grand-parent dans une maison de repos. Donc, il faut comprendre ça avec beaucoup d'humanité. Il faut comprendre que les mesures sanitaires qu'on prend dans une organisation peuvent être contraignantes. Il faut comprendre que des gens sont peut-être en train de passer par des problèmes financiers individuels extrêmement sérieux. Et donc, on ne peut pas parler en termes généraux, parce qu'à la fin, si on parle de changement en termes génériques, généraux, etc., les gens qui sont dans ces réunions-là se disent « Ok, mais what's in it for me? Moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça ?» Et donc, il va falloir prendre des perspectives différentes, parler à des petits groupes, parfois, le plus souvent possible, faire du one-to-one. Et donc, voilà, montrer cette empathie, cette humanité, cette compassion. Et tout ça, au fond, c'est être la représentation de ce qu'on a mis comme étant les valeurs d'une organisation. Moi, je dois reconnaître que souvent, les valeurs me faisaient un peu rire. Par exemple, on trouvait dans à peu près toutes les déclarations de système de valeurs, c'est client-centric. Mais évidemment qu'on est client-centric, enfin, sinon on n'est pas dans une opération commerciale. On disait dans les hôpitaux, le patient est au centre. Mais évidemment que le patient est au centre, sinon on n'est pas une institution de soins. Mais donc les valeurs, pour moi, c'est effectivement ce qui règle les comportements individuels et collectifs. Et là, on y est. Donc, on va voir ce que sont les valeurs. Et les valeurs, elles seront représentées par la façon dont les leaders vont se comporter. Et le dernier point que je voudrais mettre, maintenant, on va penser à ces moments-là avec beaucoup de nostalgie. Mais donc, quand on prenait l'avion, et avant que l'avion ne fasse le take-off, il y avait toujours une hôtesse ou un steward qui disait, voilà, on va vous expliquer les consignes de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, vous prenez le masque. Et si vous êtes avec des enfants, vous le mettez d'abord sur vous et puis vous vous occupez des enfants de manière à ce que vous ayez l'oxygène pour pouvoir le faire. Eh bien, c'est très important aussi, non, on ne parle pas dans les trucs théoriques, mais c'est très important aussi que les dirigeants gardent leur énergie. Et pour garder leur énergie,
Il faut qu'ils s'alimentent correctement, qu'ils, de temps en temps, ils peuvent faire un apéritif virtuel, mais ils ne doivent pas trop boire, ils doivent continuer à faire du sport, ils doivent continuer à faire de la musique ou du dessin pour se changer un peu les idées. Voilà, c'est très important qu'ils aient leur masque à oxygène, parce que ce qu'on va vivre maintenant, mes amis, c'est un marathon. Et ce qu'on vient de faire, c'est juste les 100 premiers mètres. On n'a plus que 419 fois à faire la même chose. Et ça, c'est long run. Donc, c'est très important qu'on mette son masque à oxygène. Alors, j'arrive à la fin de cet exposé. Je voudrais juste vous montrer, si Laurence arrive à mettre toi là. Je voudrais juste vous laisser, et on passera quelque chose à la fin de après les questions-réponses. Ce monsieur, c'est Arne Sorensen. Il est le CEO de Marriott depuis 8 ans. Il a fait un discours à ses troupes que je trouve extraordinaire, qui m'a, moi, beaucoup ému quand je l'ai entendu, et qui est juste l'illustration de tout ce que je viens de vous dire dans un seul discours. Alors, on va faire, si Didier est d'accord, on va peut-être faire les questions et réponses pour s'assurer qu'on arrive à passer la vidéo. Et si on n'arrive pas à passer la vidéo parce qu'on a eu des problèmes à le faire, si on n'arrive pas à passer la vidéo, je vous engage à aller l'écouter vous-même, parce que c'est vraiment un morceau d'anthologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis prêt, évidemment, à répondre à vos questions.